Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En tant que société civile, lorsque la CDAO a voulu initier le dialogue en mettant en place une facilitation, la société civile togolaise a soutenu ce dialogue parce que nous pensions que c'était une porte de sortie de façon pacifique par rapport à cette crise. Nous sommes retrouvés ensuite le 31 juillet avec une feuille de route qui était, comme on l'a vu, et en dépit de ces insuffisances, la société civile a dit, nous soutenons la CDAO dans la mise en place de cette feuille de route, même si cette feuille de route a des insuffisances, nous soutenons la CDAO. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Une feuille de route qui est constamment violée par ce pouvoir dictatorial. Et la CDAO qui accepte cette violation par ce pouvoir. Si c'est comme ça, la société civile togolaise engagée et responsable retire sa confiance à la CDAO. Une chose est certaine. En 2005, on nous a tenu combien de temps on nous a conduit à l'abattoir. En 2018, nous n'accompagnerons pas la CDAO. Nous n'accompagnerons pas le pouvoir togolais dans ce processus criminel. Donc, que cela soit clair, nous avons demandé la libération des personnes qui sont détenues, de ces personnes, de ces otages que le pouvoir congolais maintient en détention. Et jusqu'ici, la CDAO a été incapable d'obtenir la libération. Nous exigeons cette libération. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des réformes pour renforcer le cadre institutionnel du Togo. Nous sommes 15 pays dans l'espace communautaire. 14 pays ont connu l'alternance. Même des pays qui ont traversé la guerre. Nous avons vu le Libéria, ils ont eu la guerre. Mais dernièrement, ils ont eu des élections claires. Et ils ont voté pour Georges Weah. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir l'alternance? Nous aussi, nous sommes des hommes comme des Sénégalais, comme des Pays-Bas, comme des Ivoiriens. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.